Maintenant, nous ne voyons plus seulement ces couleurs. Nous voyons d'autres choses. Et il faut que ça s'arrête. Champi à vous, les gens. Voici Chromatopsie, un scénario de jeu de rôle écrit par Lino Major Zero. Il vous offre une longue soirée d'automne, horrifique et romanesque, et il est jouable avec le Basic Roleplaying System. Ce scénario prend place dans les années 20 dans le doux pays de Lovecraft. Une agence de détectives se rend à la petite ville côtière d'Oga Point pour essayer de percer le mystère d'une étrange épidémie de chromatopsie. Le reste, je vous laisse le découvrir. Vos joueuses pourront interpréter les quatre membres de l'agence de détectives Smith & Associates que voici. Tout d'abord, évidemment, Smith, la patronne de l'agence, qui est aussi une vraie détective qui a ça dans la peau. Ensuite, Logan, la gros bras de l'agence qui, comme l'expression le dit, fait le job. On a aussi la professeure Harding, renommée émérite en lettres anciennes, avec un esprit scientifique aiguisé et tranchant. Enfin, l'impitoyable Glenn, l'impitoyable séductrice à qui personne ne résiste, pas même les cœurs de pierre. Ces personnages ont une personnalité singulière avec évidemment leurs atouts, mais aussi et surtout des failles. À noter que le genre des personnages est libre. Vous allez pouvoir explorer des thèmes et des émotions sombres et intenses, le deuil étant la thématique principale. Ainsi, n'oubliez pas de mettre en place des outils de sécurité émotionnelle et de faire une session zéro afin de passer une belle aventure horrifique sans traumatiser personne. Vous pouvez vous faire plaisir en termes de roleplay, notamment grâce aux quatre personnages principaux qui ont un background complexe, sensible et envahi de vérités cachées. L'objectif est d'avant tout de vivre cette aventure horrifique et romanesque. Et donc, ne pas hésiter à progressivement livrer ses secrets afin que l'histoire prenne corps et que cela devienne un souvenir poignant dans votre vie de rôliste. Ce scénario étant non linéaire, c'est donc le choix des joueuses qui vont faire le fil rouge de la partie. Ainsi, vous pouvez la faire jouer à plusieurs tables et à chaque fois, vous vivrez une aventure différente et unique. Enfin, ce scénario est clé en main. Vous allez pouvoir retrouver les prix tirés, les PNJ, la carte de Oga Point, mais aussi et surtout des conseils à la MJ pour la préparation, mais aussi le pendant de la partie. Si comme moi vous voulez utiliser tous les outils de Lino Major, je vous invite à acheter en plus son scénario sur Roll20. Vous aurez donc une partie jouable en ligne avec les visuels, les musiques et tout ce que j'ai cité plus haut. J'en profite aussi pour vous montrer que cet ouvrage physique est super classe et qu'il a été maquetté par Cédric Chaillol pour le plaisir de vos yeux. Tous les liens que je viens de citer sont en description. PS, comme j'ai tourné cette vidéo avant la création du label DCC, je vous informe que désormais ce scénario est également jouable avec le système du Dirty Clean Crew. Pour en savoir plus sur ce système, sur ce label, ses créations et ses services, il suffit de cliquer sur ce lien. Et pour les chanceuses et les chanceux qui seront à la session 2023 d'Octogone, vous trouverez ce scénario, ainsi que des scénarios inédits et des goodies au stand Dirty Clean Crew, tenu par les fondateurs Lino Major Zero et Cédric Chaillol. N'hésitez pas à aller les voir pour leur parler et soutenir leur création.